Depuis début juillet, la cabane à pagaie propose différentes activités nautiques. Située au Guiffette, le long du canal de la Marguerite, elle est ouverte 7 jours sur 7 et permet de louer à l'heure ou au forfait des canoës, des kayaks et même de s'essayer au stand-up paddle. C'est la deuxième année que la cabane à pagaie est ouverte et l'an passé, près de 300 personnes ont profité de ces activités. C'est vrai que l'année dernière, l'opération a connu un vif succès, que ce soit au niveau des Luçonnais mais aussi des estivants. C'est vrai qu'avec la fermeture du plan d'eau, ça permet effectivement de découvrir le marais et puis d'avoir une activité sportive autre que celle que les personnes peuvent connaître durant l'année. Voilà. Christian Ovola ou Corentin sont là pour vous accueillir et vous donner de bons conseils. Et pas besoin d'être un pro de la pagaie pour venir se balader sur le canal. Corentin, qui est là presque 7 jours sur 7, avec Christian, accueille le public effectivement pour la pratique du paddle. Ça peut être aussi la balade en canoë ou en kayak, en sachant qu'effectivement c'est ouvert à tous. Bon, il suffit de savoir nager, bien entendu. Mais en dehors de ça, il n'y a aucun danger. Et puis on les accompagne et on leur donne toutes les explications pour qu'ils puissent pratiquer avec une bonne humeur et sans aucun risque. Voilà. La cabane à pagaie au Guiffette est ouverte tous les jours de 10h à 19h jusqu'au 26 août.